Va-t-elle s'arrêter un jour? J'en oublie à quoi ressemble le soleil. On devrait partir en vacances, dans un endroit chaud, ensoleillé. Les rivages du dragon! Ouais, j'y suis pas retourné depuis que nous avons flanqué une raclée à cette truffe de Nork. Hé, hey, Spark, ça te dit la bronzette sur la plage? Le dernier est une andouille! Ça marche, professeur? Presque. Il faut seulement que je rajuste ces boulets. Et c'est peut-être pas une bonne idée, après tout. Un dragon, ça pourrait mettre Ripto encore plus en colère. Arrête, chasseur. Et tiens-toi tranquille. Mais t'as vu le livre du professeur? Ils ont des griffes comme ça, des dents comme ça, et ils crachent du feu comme ça. Ils ont l'air bien plus dangereux que Ripto. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. Un dragon est notre seul espoir pour vaincre Ripto. Tu le sais bien. Ça marche. Ça marche. Le voilà, notre dragon. Waouh, quel atterrissage. Salut, c'est par où là? Plage? Ben quoi, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Vous avez jamais vu un dragon? C'est toi, le dragon? Ça te pose un problème, Minou. Eh bien, on dirait qu'on a oublié de me convier à la fête! Essayez-vous de me cacher quelque chose? Un dragon? Vous avez amené un dragon à Avalin? Je hais les dragons! Ah! Tu l'as ! Espèce d'imbécile, tu as bouffé mon sceptre ! On se reverra plus tard ! C'est qui ce clown ? Ça, c'était Ripto, et il faut qu'on s'en débarrasse. Il nous crée toutes sortes d'ennuis. Mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tiens, prends ça. C'est un carnet magique. Il t'aidera à comprendre les mondes d'Avalar. Maintenant, je dois poursuivre Ripto et voir ce qu'il manigance. On se voit à la forêt d'été, d'accord? Hé, attends! Oh, dans quel pétrin on s'est encore fourré?